Laila Mohamed, issue d'une école de commerce, spécialité commerce international. Amalt Madika céramique d'art à la CNCA. Et j'ai toujours été passionnée par l'art et la création, ce qui m'a poussée à prendre l'initiative et lancer Créatiste. Créatiste, c'était un peu réfléchi, oui. Parce que au début, tu commences à créer peut-être des choses. Quand tu as des bijoux, ou en général, qui te demande traînement. Pourquoi ne pas créer une solution et pour moi et pour les autres. Voilà. L'idée de Créatiste, bien entendu, elle est un ramonos. Quand tu as et j'ai commencé à voir les développeurs, à voir aussi les artistes et les créateurs et voir s'ils sont partants pour une idée de ce genre ou pas. Et par la suite, j'ai collecté Kulchai et j'ai essayé de concrétiser l'arcaïa, de voir la faisabilité et tout ça. Créatiste, c'est une place de marché. Pour simplifier, c'est un centre commercial virtuel là où des créateurs ils ont les boutiques et qu'ils gèrent ils ont la solution et nous on assure on va dire la mise en relation entre le créateur et ça cible clientèle, voilà, l'acheteur final, on va dire. Donc, comment ils s'inscrivent? Il suffit de s'inscrire sur le site, www.creatiste.com. Une simple inscription, tu valides ton profil. Après, Créatiste, il va te demander si tu veux créer une boutique. Tu crées une boutique gratuitement du moment où tu commences à mettre les produits MTAC payant à marquer Yasrira. Pour le moment, c'est gratuit, donc j'invite toutes les personnes à profiter. Et voilà, c'est tout. Donc, nous avons la modération toutes les personnes qui nous ont aidé à l'artiste. Et là, je m'y entre. L'objectif, ce n'est pas de bloquer les personnes ou de mettre tout le monde. Les, maintenant, je vais faire ça ou les, ils vont faire ça. Les, c'est vrai que nous sommes et c'est mikbab, mais nous sommes aussi manes et les maroufins à quel moment. Et l'objectif, à nous aider à manes les maroufins à quel moment l'abîme les maroufins. Ils savent où ils vont, où ils vont, où ils vont, où ils vont vivre. Donc, nous sommes dans ce cas. On regarde les produits qui sont sur le site, on chauffe et on valide par la suite. Donc c'est très simple. On a Salah Barka, on a Ekshi, on a Akram Radab, Sophie Elfanter, on a Kehna, qui d'autre? Khawla Ben Amara, qui fait des bijoux vraiment zinin à l'akhir. Dernièrement, je ne sais pas si pour le moment à ma femme Art Cave et j'invite la belle colle de chutre le chauffe-eau, les tableaux de terre, mais je ne sais pas si derrière Art Cave, mais c'est vraiment excellent ce qu'il fait. Développer encore plus les catégories, mais les articles, ça va dépendre des créateurs, parce que c'est vrai qu'un des sites, les créateurs ont mal les sites concrètement. Donc les catégories, oui, on va développer encore les catégories. Pour le moment, on a accessoires, on a bijoux, on a vêtements, on a aussi galerie d'art. Elle est remplie aussi, mais quand notre saur, elle est à la première chose que je veux citer, la galerie d'art. Je suis très contente, elle est la première chose que je veux faire. Les visites sur le site, mais bon, après, il faut que, c'est vrai que ça augmente, mais en même temps, qu'on fidélise les visiteurs internes surtout. Donc, pour le moment,
On a une expo-vente qu'on va organiser chez Salah Barka le 2 et le 3 avril. Donc, aider en moi pour montrer que créatiste, Mehishken Mojoda al virtuel, mais aussi on va organiser Hkayit, des expo-ventes, des workshops qu'on va faire aussi avec Foliomania. Et surtout, il y aura des promotions, il y aura plusieurs surprises à l'Ipshijio par la suite.